go l'épisode 11 et on va faire directement la mission. Vous savez quoi, on part direct pour la mission, la forteresse d'Akala avec... non, pas Daruk, pas Daruk. Impa, ouais. Magistrate adjointe, prête au combat. Exactement. Allez, partir au combat. On est parti pour la mission principale, la forteresse d'Akala. Pendant que les quatre prodiges s'entraînaient à piloter leur créature divine, Prua et son équipe de chercheurs, experts en reliques, étudiaient la tour qui était soudainement apparue dans la plaine d'Hyrule. Ils découvrirent que la tour Shaika, telle qu'ils l'avaient baptisée, n'était pas unique en son genre. D'autres tours similaires étaient enfouies profondément à travers tout le royaume. Et leur émergence semblait contrôlée par un dispositif à l'intérieur même du château d'Hyrule. Les chercheurs aboutirent à la conclusion que le dispositif de contrôle des tours Shaika ne pouvait être activé qu'au moyen de la tablette Shaika. Zelda décida donc d'aller étudier de plus près ces tours avec Prua et les prodiges. Encore à étudier ces reliques. Père. Pensez-vous avoir le temps de vous préoccuper de telles futilités? Eh bien... Ceci est une relique que j'avais trouvée un jour où j'étais sortie avec mère, il y a bien longtemps. Je m'en souviens encore. Mère et moi avons beaucoup discuté à son sujet. Nous pensions qu'elle renfermait sûrement un pouvoir spécial. Mais en fin de compte, je n'ai jamais réussi à déterminer son utilité. Croyez-moi, père, plus nous en apprendrons sur le fonctionnement de ces reliques, meilleures seront nos chances face au fléau. Certes. Mais vous oubliez que là n'est pas du tout votre rôle. Je n'ai nullement l'intention d'abandonner mon entraînement. Mais... j'essaie seulement de servir le royaume au mieux, de me rendre utile autant qu'il est possible. J'estime, pour ma part, que vous vous dérobez à votre devoir. Je vais fermer les yeux pour cette fois. Mais j'espère m'être bien fait comprendre. Je prends masse capture d'écran en vrai. Mais en vrai, ça te donne tellement envie de faire des captures d'écran tout le temps. Évidemment. T'as envie d'en faire tout le temps. Et s'il restaure ces machins choses chez Ika, qu'est-ce qui se passera au juste? Il semble que cela leur révélerait instantanément l'emplacement et la nature de nos forces. C'est sûr que ça nous arrangerait pas s'ils savaient où nous trouver. Des mesures ont été prises. Le moment est venu de travailler un peu pour moi. La voix du méchant est parfaite. Un peu de respect, c'est pas... C'est un ordre du seigneur Ganon. Oh, pardonnez-moi. Un gardien abritant le fléau Ganon. What? Avec une telle merveille en ma possession, j'aurai le monde entier dans le creux de ma main. Ça paraît incroyable. The fuck? Peut-on vraiment contrôler le pouvoir du fléau Ganon aussi facilement? Attends, what? Sérieusement? Genre, vous êtes dans un gardien.
Ce son, bordel. Dans ce cas, autant continuer sur notre lancée. Allons restaurer toutes les autres tours. Yes. Comme si on l'avait pas déjà fait dans Breath of the Wild. Après avoir réussi à réactiver la tour de la plaine, Link et ses compagnons se mirent sur les instructions de Prua à restaurer les unes après les autres les tours qui étaient apparues aux quatre coins du royaume. Mais l'ennemi n'avait pas l'intention de leur laisser le champ. Ah, la dernière tour, ok, ils ont tout fait. En arrivant à la dernière tour, celle d'Akala, Link et ses compagnons allaient découvrir que le gang des Iga les attendait de pied ferme. Ok. J'adore le scénario. Je continue à lire, j'adore la façon dont le scénario est foutu. C'est pas simplement des enchaînements de combat qui servent à rien. Ok, vas-y. Reprise d'Akala. Qui débarque sur le stream, bienvenue. Il y a du monde sur le pont. C'est un cadeau. Merde, c'était bête. Ok. Évidemment qu'il s'était bête. Évidemment. Hey.
Allez, salut. Bisous. On va quand même aller voir là-bas s'il n'y a pas un gros robot, parce que je pense qu'il peut bien l'avoir. Je pense qu'il y a un Korobu en bas. On va aller voir. Vas-y, go. Go checker. C'est quoi ça? À mon avis, il faudra qu'on y aille après. On ira voir après. Ah bah ça, j'ai des fourneaux antiques, j'en ai besoin pour recharger les petits. Ok, c'est ça. C'est ça. C'est ce truc là. Voilà, super. Ok, c'est ça. Excellent. Boum. Parfait. Est-ce que je peux aller le recharger à l'autre fourneau antique qui était en bas? Vous avez le droit? Je sais pas s'il va m'autoriser. Parce que là, il y en a un. Je peux pas. Ça me fait plaisir. Bien joué. D'ailleurs, mon tour. Allez, salut. Je me dis, Zelda Breath of the Wild 2 va paraître si lent après, quelque part. Hein. Après, c'est du gameplay, c'est un gameplay différent, mais c'est vrai que du coup, quand tu passes de l'un à l'autre... Merci Alfred. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci à toi de me suivre. C'est moi qui te remercie d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton recel. 15e mois en plus. C'est de ouf. Ouf.
des rubis. Plus de thunes. Allez, boum! En garde! En garde! J'arrive! Ça a pété. Il reste un peu de vie. Allez, bon, à distance. C'est pas grave. Allez, ça dégage. Parfait. Allez, activé. Ok, on est bon. Il est où, Link? Ah, il est en bas. Oh, il a pas pété, il a fait tout le tour, t'as beau dire. Link! Pourquoi t'as fait tout le tour, connard? Il est con, lui. Ah, c'est donc obligé, on est obligé de taper Zelda. Hein. Terrible. Terrible parce qu'elle est tellement naze. Tellement naze. Il y a du monde là. Il en reste un. Il en reste un dernier. Good, on avance. Ah mais oui, c'est pas le même truc. Attends, doit y avoir un Korogu du coup ici. Je comprends pourquoi il a fait le tour. Hein. Je vais reprendre Impa du coup. Ouais. En fait, on est sous le pont. Même pas. Bon, allez, Impa. Et je m'en occupe. Ah.
clone. Retourner contre nous aussi, hein. Faire attention. Hein. Non, c'est bon. Ok, on a de la chance là-dessus. Allez! C'est parti. Oui. Il y a du monde dans les salles du château. Oh, c'est la fiesta ici. Allez-vous-en! On récupère un mal de riz. Bonjour à ceux qui débarquent! Vers les rubis, ça m'intéresse. Ouais, je vais laisser là. Trois passes de rubis. Yes. Vas-y, on va aller, attaquer ça. Attends. Attends, je vais clear la zone. Ah non. Il est où le gros là? Allez, c'est fait. On l'a eu. Ok, on est good là-dessus. Link et Zelda, ils sont en train d'arriver. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des deux, là. On chargera nos baguettes magiques. Ce sera pas plus mal. J'ai plus rien. J'ai vraiment plus rien. C'est good. Ok, on recharge le feu. J'ai remporté la victoire. En avant. On recharge la glace. Ok, good. Là-dessus. Allez, on est bon. Votre Altesse, ponture moi. Oh putain, c'est Zelda, non, non. Link. J'adore ce genre de mission qui dure une demi-heure, perso. En vrai, sans ironie. Non, préféré, tu restes dans la même mission et. Je m'en occupe. Allez, vas-y. Allez, va. Allez, vas-y. Encore sous pas. Putain. J'arrive. On va nous faire chier combien de temps, lui? En plus, il s'est enfui la dernière fois qu'on l'a battu. La dernière fois qu'on l'a battu, il s'est enfui. De cette fois-ci, on le laisse pas s'enfuir. Je te le dis. Allez, vas-y. Cette fois-ci, il s'enfuira pas, je te le dis. Oh putain, la caméra là, elle est dégueulasse. Là, la caméra, elle a du mal dans un. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a un toit juste au-dessus. La caméra qui est à peine en galère. Putain, il va se barrer encore. Oh, il s'est barré, putain. Cours au bout.
qui s'est encore barré. Ok, John. Ok, c'est quoi? Oh, un linel bleu, mais sérieusement, en plein milieu comme ça? Sérieux? Non, d'accord, donc comme ça, il nous balance un linel bleu. Ouah! Est-ce que Link peut venir ou pas? On arrangerait avec son épée des jambes. Il sera un peu mieux. Ouah, c'est bon, on est. Allez, vas-y, encore un peu. Et merde. C'est bon, vas-y. Allez! Et merde, c'est bon, vas-y, go. Putain, il est hyper puissant. Attends, j'ai une idée. Boum! Vas-y, on l'a congelé. Putain. Feu. Ah, c'est bon, le feu, je vais dégager. Allez, vas-y, point faible. Vas-y, on va le rebrouiller tout de suite. Vas-y, on le rebrouille tout de suite. On lui laisse pas le temps. Allez, vas-y, point faible. Encore un petit peu. On le rebrouille encore un peu. C'est ça qui a fait l'aider. Ah oui, ça brûle, c'est du feu. Voilà. Allez, vas-y, go. Ah, félicitations, Captain. Félicitations. Trop chouette. Ah, c'est passé devant mes collègues. N'est-ce pas? C'est passé devant mes confrères, tout ça. S'il y a eu un Pax. Qui reste plus rien de la forteresse d'Akala, c'est exactement ça. Tout à fait. J'avoue. C'est peut-être un peu de la faute d'Impa et tout. Peut-être un peu. En même temps, regarde, elle vole dans les couloirs. C'est interdit de voler dans les couloirs. J'arrive. Regardez-moi.
Hop là, on prend Link maintenant. Cadeau. Ah, il y a Urbosa qui nous aide en fait. Hein. Oh non, il va encore se barrer. Il va encore se barrer. Putain. Mais quel relou. Pouvez éliminer ce pas, mais oui, mais. Je sais très bien qu'il est par là. Son petit bureau là, avec les bananes. Ok, c'est là, c'est ici, c'est ici, c'est ici. C'est le moment. Ok. Cadeau. Boum. Allez, vas-y, bouffe-le. Ok, allez, vas-y. Je crois pas. Le petit hexagone, c'est ça jauge de résistance avant qu'il soit stun. Et une fois qu'il est stun, je peux lui faire une action puissante. Voilà, tu vois, regarde. Là. Boum. C'est bon, on dirait. Et là, tu peux lui faire un coup faible. Tu peux accéder à ses points faibles quand c'est comme ça. Dans ces moments-là. Et que dans ces moments-là que tu peux accéder aux points faibles. Vas-y, glace-le. Allez, vas-y, c'est parti. On le termine. Boum. La remonte, c'est terminé. Appui de soupa. A chopé un marteau en fer. Okay. Appui de soupa. Oui. Quelle tête de mule, ma parole. Oui, ça va, il reste donc c'est tour de se protéger contre le fléau. Oui. Yeah. Avec une nouvelle recette. Merci pour les GG. Merci beaucoup. Regardez comme la vue est belle. C'est magnifique. Prua, as-tu découvert quelque chose? Ah, je vois. En connectant la tablette Sheikah au terminal. Prua, votre Altesse. On dirait que cette tour enferme une incroyable puissance. Il semble qu'à l'origine, ces tours Sheikah étaient des édifices censés détecter la résurrection du fléau. Au moyen du terminal, la tour transmet des informations sur son environnement à la tablette Sheikah. On peut ainsi voir en un instant toute la géographie d'Hyrule et les mouvements des monstres. Ça veut dire que nous pourrons établir notre stratégie tout en suivant les déplacements de l'ennemi? Exactement! Plutôt qu'une longue explication, le mieux est peut-être de passer à la pratique.
Ok. Et donc ? Mais bien sûr qu'on va passer à la pratique. Évidemment ! Je n'attends que ça ! Comme tout le monde d'ailleurs sur ce stream. C'est tout ce qu'on souhaite. Alors, voyons voir. Oula, 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 oula. Ouah ! Oh, il y a une petite étoile qui est apparue. Ça va ? On est tranquille là sur le nombre de missions secondaires ou pas ? Encore ? Non ? La vache ! La vache ! Mais c'est un truc de dingue ! Calmez-vous en fait ! J'ai réussi ! Toujours plus là. Vas-y, on va faire ça. Je mettrai cette force en œuvre au combat. Ah, on est passé au niveau 2 du centre d'Hyrule ! Excellent ! Parfait. Vas-y. Ah là au moins clairement Ah non non c'est bon. Ah c'est il faut que je batte un inox aussi. Je peux pas. Ça il faudra quoi? Il faudra ça. Allez. Alors, ok on est passé au niveau 1 d'ici, parfait. Alors c'est quoi ces petites étoiles hein? Résolvez les problèmes des habitants, la région, taux d'accomplissement 31%. Ok. Les substances rechargent de cryonis plus rapide. Évidemment. Excellent. C'était vraiment impressionnant. Excellent ça. Nombre d'étections possibles augmenté. Ça c'est bien aussi. Parfait. C'était impressionnant. Ok, détecteur Sheikah augmenté. Ça c'est quoi? La rumeur. Ok, récompense. Il m'en faut beaucoup plus que ça. 16% rendu ici. Oui d'accord. Donc ça c'est toutes les missions à faire en plus. Ok. Là il me faut quoi pour faire ça? Ça je peux. Tarif réduit au champ de manœuvre. Évidemment. Bien joué. Ok. Là il faut quoi? Là je peux pas parce qu'il me manque ça. 28%, 22%. Oh la tenue! Oh je la veux! Tous les soucis d'habitants d'Hyrule, 22% et on aura la tenue de Link verte. Excellent! Oh là, j'ai trop hâte. Ça va être trop classe. Impressionnant. Bravo. Oh j'ai trop hâte. Ok, ça c'est pour réduire les prix. Oh. Trop cool! Ok, il me faut ça. Ok, donc j'ai vraiment des trucs dans les partout. Hein. Ça, je peux. Nouveau combo pour Mipha. Suis-je devenue plus forte ? Fais-le. 22% ici. Tiens, regarde, regarde ce qui me semble. Regarde ce qui me semble. Vasak. Ah. Ah. Ok, ça c'est bon. Vas-y. Boum. Bien joué. Ok. Ça je peux faire ça aussi. Ma force a grandi. Ok, ça c'est good. Là c'est pareil, 31%, on est loin. Plein de choses à faire. C'est trop bien. Ça je peux. Salut ceux qui débarquent, bienvenue au nouveau. Ok super, augmenter Polaris. Ça je peux toujours pas, ça il m'en manque. Ah ça je peux. Ah épreuve des grandes fées, c'est quoi ça? Ça c'est 4500. Réussite, c'est fantastique. Après avoir oublié son offrande, la veilleuse est rentrée à la cité Garou 2, nous a rendu le double de votre don. Excellent. Oh excellent. Ah oui, j'ai payé 4500 et elle me donne 5000. Elle me donne 9000, pardon. Excellent. Ok. Évidemment que je suis preneur sur ce jeu. On a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Ça, c'est la prochaine mission. On repère des gigas. Ça sera pour l'épisode d'après, je pense. Non, dans deux épisodes parce qu'on a beaucoup de, on a beaucoup de missions secondaires à faire entre temps. Donc, l'épisode 12 sera consacré aux missions secondaires. Et après, du coup, on fera la mission des gigas. On va peut-être même le temps de faire une dernière mission en plus là. Ça je peux pas. Bah écoute, go faire celle-ci. Go faire celle-ci. Niveau conseiller 26, 31. On va prendre Link. On va prendre ça. Vas-y. Allez, c'est parti.
On fait ça, et comme ça, après, on récupère quelques éléments. Et ça va être cool. Et ouais, je vous proposerai tous les épisodes de façon d'aujourd'hui sur la chaîne secondaire, comme d'hab, hein, n'oubliez pas. Si jamais vous en avez loupé, tout sera dispo. L'épisode 8, 9, tout ça, évidemment. Et là, on est sur le 11, c'est ça. Ouais, on est sur le 11, là. On est en train de terminer le 11. Ok, épreuve moyenne de feu. Ok, faire ces barrages d'ennemis pour les minigames. Ah, j'ai pas de... Tu vois, je pensais avoir une baguette de glace et j'en ai plus d'eau. Allez, ça dégage, merci. Ok, je récupère tout ça. Ils sont... Vous êtes combien, les gars? Ok, on est à 2 sur 3. Allez, vas-y, on termine comme ça. On fait sa barrière. Ok, une barrière. Et on l'achève. Et après, il y aura l'inox. C'est ça. C'est ça. Il va y avoir l'inox derrière. L'inox de feu. Parce qu'il m'en fallait de toute façon. Oh la vache! Oh, il est impressionnant! Mais non, c'est un inox de feu, je peux rien faire avec ça. Bien sûr, allons-y. Bien sûr. Toujours plus. Allez, on est bon. Allez, go. Allez! Bisous, jeune entrepreneur. On est bon. Wouh! Bon, on a récupéré quoi en matos? On est à 16 000 rubis, putain. Excellent. C'est ça qu'il me fallait. Je crois qu'il me fallait des petits ongles. Il m'en fallait un ou deux. Je crois que j'en ai récupéré qu'un. Il faudrait qu'on y retourne pour le faire encore une fois. On va vérifier quand même.
Mais je crois qu'il nous en restait un. Au pire, genre, je le fais tout de suite. On va vérifier. Eh ben non, ça y est. Il me manque de la viande là. Ça, je peux, c'est bon. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est good. Ça, c'est good. Ça, je peux pas. Je peux l'activer. Est-ce que j'ai pas une boutique qui clignote? Non. Ah, ça y est, ça, je l'ai fait. Ok. Ah oui, je peux récupérer ça ici. Salut à ceux qui follow et qui débarquent. Bienvenue. Je suis en 3 sur 3 détecteur Sheka. On va faire une dernière mission à ce moment-là. Allez, vas-y, go celle-ci avec. Avec Mipha, du coup. Mes compagnons. Ah, il faut être au niveau 30. Attends, bouge pas. Bouge pas. Vas-y, je te passe au niveau 36. Parce qu'on a largement de quoi le faire. Fusionner des armes. Oui. Ok, on est bon. Oui. Parfait. Ça, c'est good. Et on a dit qu'on allait faire. Ah, tiens, c'est quoi ça? Ah, je peux. Ah, je peux pas, il me manque un cœur antique. Ok, Gomifa avec l'expérience en plus. C'est très bon. Bah, moi aussi j'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Je vais aller manger après. Après cet épisode-là, je vais manger parce qu'il est 15h. Ça fait 3h30 qu'on a. Oui, c'est ça, 3h30. Putain, hier on a fait 7h. Ça fait 10h30. À 10h30 de jeu dessus. Plus l'heure que j'ai fait. Bon, en fait, on a 12 heures de jeu et il y a encore plein de trucs à faire. C'est génial. Franchement, en termes de durée de vie, je sais pas encore. Je vais peut-être faire un petit risotto là ce midi. J'ai envie d'un. Bah, il est 15h, donc je vais me faire un risotto à 15h. Yes. Un petit risotto champignon là. Je pense que je vais me faire ça. Allez, go. Éliminer tous les ennemis avant la fin du temps imparti. D'ailleurs. Ah oui, d'accord, c'est un Lito Rock carrément. Ah oui, alors, il va y en avoir deux des Lito Rock, j'ai l'impression. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. C'est bon, je l'ai. Allez, vas-y, c'est bon. On est 1 sur 2. Ça, c'est fait. 1 sur 2. C'est bien, Dora. Un peu souvent, pardon. Ok, c'est un Inox. C'est bon, les Inox, c'est cool. Les Inox, ils sont un peu plus sympas. C'est plus facile à défoncer, j'ai l'impression. Selon les trucs. Ah, peut-être les ennemis de feu vont être sensibles aux bâtons de glace, etc. etc. Ouais.
Allez, ça dégage. Wouh. Victory. Bon. Ok. Nickel. Je récupère. Je récupère. Ok. Ok, ok. Oh, une petite dernière peut-être. Ouais, histoire d'avancer un peu les missions secondaires, parce qu'on en a quand même pas mal. Hein. On a quand même pas mal de missions secondaires et. Basak. Ok, la mission accomplie, c'est celle-ci. Ça, je fais. Ah, ça, je peux. Cool. Excellent. Quelle réussite! Ok, dégâts causés par Zenny, moins 5%. Excellent. Pourquoi tu veux aller là? Non, on est où? Mignon. 31. Ça, je peux. Je vais faire ça. Tiens, je peux acheter des trucs ici. Okay. Qu'est-ce que je peux acheter qui m'intéresse? Oh. Ok. Oh. Eh ben écoute, go faire cette mission là. Vas-y, go faire ça. Alors, par contre, pas Zelda, je suis désolé, mais alors. Ouais. Une femme magistrate adjointe. Allez go, go faire ça et ça sera la dernière mission de cette, cet épisode 11, me semble-t-il, je crois que c'est l'épisode 11, oui c'est ça, ok on est sur l'épisode 11, je perds mes épisodes du coup à force d'en faire beaucoup, ce qui est bien en soi quelque part, on va pas se cacher que c'est cool, hein, parce que ça veut dire que le jeu est chouette. Ta-da-da. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et ça, c'est vraiment chouette. Ok. Ça fait vraiment plaisir. Récupérer des trucs pour mes baguettes, ça serait incroyable. En même temps. Ah, je vais récupérer des trucs pour mes baguettes, c'est cool. Est-ce que ça rame pas trop? Bah, tu vois bien que non, regarde. Ça, de temps en temps, ça arrive, mais regarde. Comme tu le vois, ça tourne très bien. Assassin's Creed, on continuera quand on aura fini Call of et Hyrule Warriors et aussi Little Big Planet. Ça va aller vite après. On avance bien là, on avance très bien. Donc,
Donc ouais. On finit tout ça parce qu'on a beaucoup à faire. On finit les jeux rapides et après on fait ceux qui sont plus longs. Parce que Valhalla c'est 60-80 heures. On est rendu à 15-16 heures. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je me dis autant terminer les jeux les plus rapides et après s'investir à fond dedans. Se réinvestir à fond dedans. Comme ça après on est bon. Parce qu'après on a Cyberpunk aussi qui débarque et Immortals Phoenix Rising. Donc on a beaucoup de choses en plus. Donc autant prendre notre temps là où il faut. Carrément à Inox. Mais what? Mais les gars, c'est ma gueule quoi. C'est quoi ce délire? What? C'est un délire? What? J'ai 4 minutes, ah oui, il faut que je défende pendant 4 minutes, il faut que je les tue avant. Parce que les tuer avant, c'est impossible. Jamais la vie ça passe là. Faut que je tienne 2 minutes et quelques, c'est ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est juste une mission de. Une mission où faut tenir. Ouais, ça doit être ça. Ouais, on va quand même essayer de les défoncer, mais. Je crois que c'est juste. Faut tenir. Avant l'arrivée des renforts. Putain, mais ils sont blindasses, il y en a 50 milliards! Gars, il y en a 3! La cam elle dégage, il n'y a même plus rien. Ok c'est bon, on en a eu 2. C'est le dernier je crois. Bah finalement on a réussi à vachement bien se battre en fait. Je pensais qu'on allait galérer en fait. Pas trop mal hein.
Ah, il y en a encore un. C'est quoi derrière? C'est quoi? C'est Inox. Putain, il y a Inox qui arrive en fond derrière. C'est abusé. C'est abusé de ce qu'ils nous foutent à la gueule. C'est abusé, putain. Putain, il est derrière. C'est abusé! Allez, vas-y, on a une minute 41 pour le coup. Putain, il y en a encore deux. J'avais pas vu qu'il y avait le petit derrière. Un bleu derrière, on va l'avoir en même temps, je pense. Vas-y, gèle un peu. Allez, vas-y. Allez. Non, je l'ai pas eu. Je vais l'avoir. Je l'ai pas eu. Là, maintenant. Vas-y, go, c'est bon. 48 secondes. Je sais pas s'il y en a du côté de. S'il y en a du côté de l'autre. Je l'ai eu ou pas? Ok, je l'ai eu. Il reste le bien derrière. Défendez jusqu'au bout. Dégage, dégage. Je sais pas du tout si de l'autre côté il y a des choses à faire. Deux à faire. Il y a 20 secondes. Allez, ça dégage, c'est bon. Ah, on a réussi. C'était ça en fait. En fait, il nous restait 20 secondes en fait. En fait, non, c'était bien un temps, c'est bien ce qui me semblait. Putain, t'imagines, si je m'étais pas grouillé, on aurait jamais réussi en fait. Il nous restait 19 secondes. Il nous restait 19 secondes. Bon, on a géré. Vas-y, on vend tout ça. Et il faudra qu'on améliore. On a gagné 500 rubis. Ah bah super, on a trouvé des radis. Il nous fallait des radis aussi. Oh là. Oh la vache. Bon, est-ce qu'on a rempli notre... Non. Non, il nous reste des trucs à faire. Bon, et bah écoutez, ça sera la fin de cet épisode 11. On va sauvegarder, on est à 11h38 de jeu. Donc c'est ça, à peu près 40 minutes à 1 heure par épisode. Et c'est quand même plutôt pas mal. Hein.